pareil, ne pas me focuser. Il est 8h04. Je suis debout depuis. Enfin, je suis debout. N'importe quoi. Je suis réveillée depuis que le réveil de Doudou a sonné. Donc 7h20. Nuit difficile. Dès que j'essaye de me retourner, je me fais mal au bassin. Et je me retourne souvent. Je peux pas dormir sur le dos. Ça me fait vraiment trop mal la nuit. Alors que là, je suis sur le dos. Et ça va. Mais elle bouge quoi. Mais je peux pas dormir sur le dos. Donc je suis toujours soit d'un côté, soit de l'autre. C'est compliqué pour la rotation. J'essaye de rouler, mais encore cette nuit, je me suis fait mal au bassin. Mais normalement, j'ai peut-être rendez-vous à l'endo. Oh, j'ai peut-être rendez-vous à l'ostéo. Jeudi. Faut que je voie avec ma belle-mère si elle peut me garder Liam. Et normalement, j'aurai sûrement rendez-vous à l'ostéo jeudi. Donc, j'espère que ça va me soulager. J'espère qu'elle va réussir à faire quelque chose. Bonjour Bella, tu viens me dire bonjour ou pas? Alors tu t'es endormie sur mon ventre. Enfin sur le côté vu que je dors sur le côté. Mais ah, bonjour ma puce. Ça va? Bien dormi ma grosse. T'as fait ton bazar. Ma mimine. Donc là je pense que je vais lire un petit peu Walking Dead tant qu'il se réveille pas. J'ai pas la foi pour aller me toucher maintenant. Merci pour les poils bitoun, c'est toujours agréable. Ah, j'ai de ces poches. Mais ouais, aujourd'hui ça va être normalement mieux qu'hier. Mais on verra bien. J'ai un peu de linge à plier. Ça commence à me gratter. C'est génial. Je vous dis à plus tard. Heureux, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Attention à ce que tu fais avec le balai. Non, il est 16h06. J'ai filmé un objet de lecture. J'en ai déjà un de retard sur la chaîne, donc voilà. D'ici qu'il arrive. Et monsieur Liam n'a pas vraiment dormi en fait. Ah, ouais. Tu te vois? Tu te regardes dans le miroir? Là il est en mode balai, mais je balaye sans balayer. J'ai essayé de faire un petit peu de dessin, mais c'est plus maman qu'à colorier que Liam. En même temps, c'est feutre. C'est pas de la super qualité. Il essaye de faire des traits larges, mais ça fonctionne pas de ouf. Donc il faudra que je lui trouve de bons feutres. Petit chou, je t'ai mis du rouge à lèvres sur ta joue, mon chat. Et bilan, bah j'ai quasiment pas lu non plus. Voilà, même pas une page. Hein, voilà. Par contre, j'ai dû regarder 2 épisodes de Viking. Donc ça me saoule un petit peu. J'aimerais bien avancer dans cette lecture, mais je sais pas. Dès que je commence à me mettre dedans, et bah soit c'est Liam qui me demande, soit c'est mon téléphone qui me prend. Enfin voilà, c'est chiant. Mais non, j'avance pas. Je suis à page 64, quoi. Toujours. Toujours, toujours. Il faudrait que je fasse une vaisselle, mais clairement, j'ai pas la foi. Parce que du coup, demain, j'ai mon rendez-vous donc à l'ostéo. Et l'ostéo, c'est la maman de Marius qui bah, ils étaient à l'école ensemble. Donc là, ça fait un moment qu'il l'a pas vu.
C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Elle avait dû annuler parce que il faisait pas beau. Du coup, il l'a toujours pas vu depuis le confinement, quoi. Depuis mars. Il n'a pas vu son copain. Tu as besoin d'aide ? Donc la maman de Marius est ostéo, donc je vais aller. Elle va me glisser entre deux rendez-vous. J'avais rendez-vous la semaine dernière, mais elle avait dû annuler parce qu'elle aussi est enceinte et à mon avis, elle commence peut-être à avoir un peu de mal aussi. Mais bon, elle en est beaucoup moins avancée que moi. Non. Moi, j'ai eu des symptômes de merde dès le début. Donc du coup, j'ai rendez-vous demain à 10h45 et je comptais le faire garder par ma belle-mère, mais elle m'a proposé que son homme garde Liam en même temps que ses fils. Donc tant qu'à faire, lui va être content. Et j'espère que ça va bien se passer. Parce que bon, il est pas habitué. T'as mis quoi dedans ? T'as mis tes cars ? Ouais. Tu vas mettre quoi d'autre ? Tu n'oublieras pas de voiture chez Marius, hein ? Ah, tu peux pas tout emmener non plus, hein. Tu voudras emmener tes dinosaures aussi ou... Ouais. Parce que fais attention, hein, ton sac il est pas grand, hein. Marius est un fan de dinosaures, moi j'ai un fan de voitures. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais en même temps j'appréhende parce que s'il y a besoin de pipi ou quoi que ce soit, monsieur... ne veut pas vraiment appuyer sur le kiki. Voilà. Pour l'instant, c'est encore papa et maman qui le font. Et à l'école, c'était pas le souci. C'était qu'il y avait des urinoirs. Donc je sais pas comment ça va se passer demain, s'il va se retenir. Non, maman, elle va te le fermer si tu veux le fermer ou l'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux le fermer ? Ça y est, t'as fini de mettre toute ta vie là-dedans ? Ouais. Tu vas prendre tout ça, t'es sûr ? Ouais. Oui ? Ouais ? Ouais. Tu prends un petit dinosaure ? Non. Tu me dis oui. Si tu... Oui. Du coup, je sais pas trop si je pense lui mets du change ou pas. Parce que bon, j'en ai pas pour super longtemps non plus. Mais, puis bon, c'est 10h45, donc lui, il va avoir faim. Il va falloir que je lui mette des compotes et puis des petits biscuits quand même, parce que à mon avis, il est 11h30, il mange. Hein. Je sais pas trop comment ça va se passer, parce que bon, monsieur... C'est compliqué pour manger, enfin un peu moins qu'avant quand même. Là maintenant il mange vraiment comme quasiment comme nous. Hein. Je dis quasiment parce que vous mettez des jours il a pas envie. T'as besoin d'aide ? Il est à l'entrée ton. Il est dans l'entrée ton dinosaure ? Non, tu le trouves pas ? Je viens te t'aider. Est-ce qu'ils vont rentrer ? Oh, ils vont pas rentrer, ils sont trop grands. Oh là là ! C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, parce qu'il faudra que maman elle te mette un petit peu, je sais pas du tout si je te mets un slip ou quoi, si tu vas te retenir comme quand tu vas chez mamie. La plupart du temps il se retient chez mamie. J'ai eu chaud. T'as chaud d'un coup là? J'ai eu chaud et comment j'avais eu le garage, j'avais été là, j'avais eu peur. T'as eu peur à cause du garage? T'as failli rentrer dedans. Bah oui, tu l'as mis hier soir, alors tu te souviens, tu te souvenais plus qu'il était là. C'est papa qui l'a mis ? Ouais. Bah tu t'es bien amusé ce matin avec ton garage. Hein ? Tu veux que je change de vidéo ? Moi je vais garder ça. T'aimes bien ça ? C'est les vidéos Hot Wheels ? Hot Wheels avec le serpent. Ah oui, il y a le serpent, oui. Petit chat. C'est là, on n'a pas ? Ah bah non, les circuits Hot Wheels comme ça, non, on n'a pas. Ils sont chers et puis bon, t'as déjà je sais pas combien de circuits là. J'arrête ton circuit Cars là que je t'ai acheté. Enfin. Le gros circuit Cars, le Floride, il est immense. À chaque fois, il est trop grand. Il est grand. Hein. Ouais. Non, et puis il fait du bruit. Ouais, il fait du bruit. Ouais, il est grand. Hein. Comment celui-là, il... Là, c'est le bazar dans ta chambre. Il y a pas trop de jouets en fait. Hein. Faut qu'on se calme un petit peu. Hein. Puis bon, si jamais on déménage, ça va être compliqué. Hein.
Espérant que t'aies une aussi grande chambre. Ouais, je sais pas. C'est moi, puce. Bella, tu viens? Bon, maman va essayer de lire un petit peu. Bah oui. Toi aussi, tu veux lire? Tu vas aller chercher un livre? Dans ta bibliothèque? Ouais, tu vas lire un petit peu? Tu veux lire quoi? À tout à l'heure? Tu reviens dans le fauteuil, lire dans le fauteuil avec maman? Non, tu vas lire dans ta chambre? Non, mais je vais lire ici. Tu vas lire ici? Bon, bah tu poseras peut-être ton étoile. Hein. Toujours avec son étoile, c'est doudou. Tu prends quoi comme livre, mon chéri? Fais le petit malheur. Enfin bon, bref, je vais essayer d'avancer ça. Et je vous dis, bah, peut-être à plus tard. Je sais pas trop. Vas-y, mon cher. Alors. Oui. J'ai celui-là. T'as celui-là. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de pompiers. Ah oui. Et après, c'est une histoire de moto, ça. Oui. Et ça, c'est un bateau. C'est une histoire bateau. Mmh. Ça, c'est une histoire camion-pompée. Camion. Poubelle. Poubelle, oui. Ça, c'est le train. Le train. 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 Oui, c'est ça. C'est le train, oui. C'est laquelle t'as préférée? C'est moi. Celui-là et celui-là et celui-là et celui-là. Ah, c'est tous tes préférés? Oui. Alors. Tu montres un petit peu dedans? Regarde, c'est le. Voilà, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose. Bah oui, t'as les mains dessus. Voilà. Hein? Alors, ça va bientôt commencer. Et tu racontes l'histoire, carrément? Oh, bah, Bella, ça l'intéresse aussi. T'as Bella, elle est venue derrière toi. Coucou. Ouais, coucou, Bella. Coucou, Bella. Bah alors, tu veux l'histoire, toi aussi? Et coucou. Coucou, tout le monde. Petit chat, t'es trop mignon. Bella, Bella, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas ce qu'elle a vu, elle. Je sais pas ce qu'elle a vu. Non, je sais pas. Ouais. Je sais que tu la vois. Ah, coucou. Allez, vas-y que je passe. Bah oui. Bah oui, je passe. Coucou, je suis bon. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez, descends de là. Je suis bon. Oui, tu es bon. Je suis bon. Ma queue. C'est quoi, rigolo? Petit cœur. Alors, tu nous racontes l'histoire, alors. Alors, ça commence. Oui, ça commence comment? Ça commence... Bientôt le train, il est là, avec le chat. Yeah. Mais là, ce qui va se passer, ici, il y a le... Il y a le passage à niveau, là? Ouais. Du coup, les voitures, elles sont obligées de... Les voitures, elles sont obligées de... Freiner. De freiner et de s'arrêter. Parce que sinon, boum, dans le train. Hein? Mais comme t'as fait, you. Ouais, comme t'as fait, Sirius, ouais. Petit cœur. Et après? Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il remet du charbon dans la cheminée. Oui. Oui. Il met où? Il met où? Dans le chat. Non, il met dans la cheminée le charbon pour faire du feu, pour faire de la vapeur, pour que la locomotive, elle avance. C'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, que ça fonctionnait. Maintenant, c'est l'électricité, mais... Avant, c'était avec le charbon, ça faisait de la vapeur. Et... Hein, c'est comme ça le train? Il fait comment le train? Il fait comment le train? Et après, j'ai commencé, Lily. C'est pas pour toi. C'est pas pour moi? Non. Et là? Alors? Là, regarde. Et là, qu'est-ce qui se passait? Là, qu'est-ce qui se passe là? Là, il va tu mettre. Vois, il met le charbon. Le charbon. Dans. Dans le. Là. Dans la cheminée. Voilà. Alors. Et après. Et après. Et là. Ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Là. Le train, il fait. Il rentre sous. Le pont. C'est un pont ou c'est un tunnel? Je pense que c'est peut-être pont. C'est plus un tunnel. C'est un tunnel. Oui. Là? Ah non, c'est moi. Oui, c'est toi. C'est pas moi. Alors. Ah oui, tu répètes tout ce que je dis en fait. C'est ça, vas-y. Regarde. Oui. Là,
Il a deux ponts. Non, c'est pas un pont. C'est un tunnel. Un tunnel. Et après. Et après, il fait quoi? Il fait quoi là? Il est arrivé? Oui. Alors les gens, ils qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils descendent? Oui. Le train? Oui. Ouais. Et voilà. Et voilà. Attends, on y va. Ouais. Et après, on va monter celui-là. Alors, celui-là, c'est l'histoire du... Camion poubelle. Ah. Alors, je vais lire ça. Tu vas lire celui-là? Ouais. Ça, c'est vert, tout vert. C'est tout vert. Ça, il y a trois voitures camion poubelle.